Bonjour à tous, mon fils Julien, vous le connaissez déjà. Il a une telle marque Annabelle, effrayante, comme dans le film. Elle est pas belle. C'est pas faux. Et donc, du coup, Julien, imagine qu'ici, on est dans un cinéma de quartier parisien qui joue des vieux films d'horreur. Toi, tu les connais, mais il y en a qui ne les connaissent pas. D'accord. Donc, toi, il y a Massacre à la tronçonneuse, Vendredi 13, Annabelle, comme là, Conjuring 2, Les Griffes de la Nuit et Insidious. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les mélanger un petit peu, comme ça. Et après, toi, je vais les placer un peu n'importe comment. D'accord? Un peu comme ça. Et le but du jeu, c'est que tu choisisses une salle avec tes copains pour faire les grands frissons. Mais tu sais pas qu'est-ce qui joue exactement dans la salle. Pour ça, comme les gens pourraient croire qu'on est de connivence, j'ai un dé ici que tu vas lancer d'abord pour vérifier si le dé est normal. Et après, une fois que tu auras bien vu que le dé est normal, eh bien, tu choisiras, tu feras un G pour. On a vu que j'avais pas un truc. Mais je. On sait pas. 5, ok. 4, donc toi ça fait déjà deux phases différentes. Et pour le fun, 5. Ouais, je prends celui-là. Tu gardes celui-ci? Je garde celui-ci. Donc on garde le 5. D'accord? Alors 5, ça veut pas dire 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, au dos des cartes, en fait, je ne l'ai pas montré avant, mais au dos des cartes, il y a des numéros de salle. Si tu avais choisi la salle 4, tu serais tombé sur les griffes de la nuit. La salle 5, c'est celle que tu as choisie, donc ça pour le moment je vais la mettre là. La salle 6, ben, ça aurait été Annabelle. Salle 3, ça aurait été Massacre à la tronçonneuse. Salle 2, ça aurait été Vendredi 13. Et salle 1, ça aurait été Conjuring 2. Mais toi, tu as choisi 5 avec le dé. Et salle 5, on tombe sur Insidious, qui est un super film. Et là, tu te souviens que j'ai une enveloppe là. Avec j'ai oublié une prédiction. D'accord. Et donc du coup, si je prends cette enveloppe de prédiction, toi, je prends le contenu, je vais te demander de regarder si dans l'enveloppe il y a autre chose que ce que j'ai pris. Et bien montrer à la caméra que l'enveloppe est vide. Ouais, rien. Ok. Et si on regarde bien, ici j'ai l'affiche du film, Insidious, le film que tu as choisi, d'accord, et un ticket de cinéma, Insidious pour que tu puisses aller voir le film. Je confirme ça. C'est top. Alors que c'est l'idée, hein, on n'est pas de connivence. Ah, pas de connivence. Voilà. À bientôt et merci à Daniel. Le nom des salles. Toi, regarde, si je fais. Si tu avais choisi salle 4, tu aurais eu les griffes de la nuit. D'accord? Salle 1, Conjuring. Salle 2, non, mais Julien, sans déconner. Sans déconner.